Bonjour, bienvenue dans Easy French. Je m'appelle Judith, je suis aujourd'hui avec... Coleman. Et avec... Soykan. Ok. Alors, on est aujourd'hui dans Paris. Alors, c'est la ville de la mode, la ville de l'amour. Mais aujourd'hui, on va essayer de demander aux Parisiens ce qu'ils aiment le plus dans Paris ou même ce qu'ils n'aiment pas vraiment. Ok, on y va? Ouais, c'est parti. Qu'est-ce que vous aimez à Paris? La vie de quartier, le fait qu'il y ait de l'animation partout, des choses à faire partout, des petits restos, des petits sandwichs, plein de cultures qui se croisent d'ailleurs. Personnellement, le Marais, ouais. Parce que c'est un quartier absolument magnifique. Chaque fois que je me balade, j'ai l'impression de découvrir ça. Et tu sais, c'est un peu aussi le quartier LGBTQ. Et tu te balades, t'as des couleurs partout, tout le monde s'aime. Y a que des... En plus, c'est tellement cosmopolitain. Voilà, le Marais. À Paris, le caractère historique, les vieilles rues, les petits commerces, le fait de voir des gens, de voir de l'animation, et puis de voir des jeunes. La Tour Eiffel. Ouais. La Place de la République, les Vélib, la Seine, Montmartre. L'Arc de Triomphe et plein d'autres choses. Qu'est-ce que t'aimes dans Paris? J'aime bien... Il y a beaucoup de culture artistique, il y a beaucoup de liberté d'expression, ouais. Un truc qu'on n'a pas beaucoup dans les autres pays. Et sinon, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de gens cool. Et il y a beaucoup de choses à faire. Qu'est-ce que vous aimez de Paris? À vrai dire, c'est le fait d'être, le simple fait d'être dans Paris, c'est ça qui me plaît en fait. Est-ce qu'il y a quelque chose que t'aimes pas à Paris? Non, pas vraiment. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'aimez pas à Paris? Les pigeons. Faire la queue pour tout et n'importe quoi, même pour acheter du pain. C'est insupportable. Tu vis dans ce quartier? Oui. Et il y a des bonnes boulangeries? Il y a de très bonnes boulangeries, il y en a une juste sur le coin de la rue et une très bonne boulangerie portugaise juste un peu plus haut. Alors les filles, qu'est-ce que vous aimez à Paris? L'ambiance, la nourriture, un peu tout. Non mais j'aime tout. Non mais ouais, tout est bien pareil. Je sais pas, l'atmosphère, les gens. Ouais. Moi je dirais ça, comment on dit? Diversité. Ouais, le fait que ce soit vraiment une ville multiculturelle et avec plein de diversité de population et tout. Ouais. Je suis totalement d'accord, le fait qu'on ait toujours quelque chose à faire aussi, je trouve intéressant. Ouais, je dirais le fait qu'il y ait beaucoup de monde, qu'on soit concentré et que, qu'on ait toujours quelque chose à faire, qu'on sache toujours où aller, pouvoir changer d'endroit, jamais faire les mêmes choses. La ville, l'architecture et les coins un peu secrets. Moi, c'est qu'on peut trouver beaucoup de choses très proches de nous. Il y a beaucoup de musées, beaucoup de diversité dans la nourriture. Et... Pour moi, c'est la même chose. J'aime la culture, l'architecture aussi, les musées aussi, enfin tout ce qui entoure Paris. En fait, c'est toute une histoire, donc du coup, ça donne envie. Moi, j'aime bien me promener sur les berges de Paris avec toutes les péniches. L'ambiance, elle est sympa, il y a souvent des petits concerts. Aussi, comme les voitures, elles ne peuvent plus passer. C'est vraiment agréable le week-end quand il fait beau. Ouais. Et voilà, c'est sympa. Ouais. J'aime bien l'aspect culturel, le fait qu'il y a beaucoup de monuments, qu'on peut apprendre beaucoup de choses. Et puis c'est une ville magnifique. L'architecture. C'est ce que j'allais dire aussi, l'architecture, oui. Et moi, je trouve qu'il y a toujours quelque chose à faire. Il y a des théâtres, des musées, des piscines. On s'ennuie jamais, en fait. C'est super. Ouais. J'aime les monuments, les bâtiments, l'architecture, les fleuristes, les terrasses, les amis. Les rues, les bâtiments, les gens moins, l'atmosphère, voilà. J'aime la diversité de la société à Paris. Le mouvement, l'action, le fait qu'il y a toujours quelque chose qui se passe. L'énergie de la ville. sa diversité, l'ambiance, c'est assez festif, beaucoup de restaurants, beaucoup d'endroits où pour aller danser, des boîtes, c'est assez ouvert et c'est agréable de vivre à Paris en général. Le changement constant. Toute la ville. Ouais. Les bâtiments, l'espace,
des gens. Se promener dans Paris, je trouve ça assez, assez sympa et tout, que ce soit les parcs et tout. Enfin, on n'est pas obligé de visiter des musées et tout. Et est-ce qu'il y a des choses que vous n'aimez pas à Paris ? Qu'on m'arrête dans la rue pour m'interviewer, par exemple. Et la pollution, et les personnes mal polies, les voitures qui klaxonnent, les coûts qui sont trop chers, les transports qui fonctionnent mal, mais à part ça, tout va bien. Le métro ? Ça va vite, les gens sont pressés. Ouais. Sinon ? Le bruit et la circulation. Oh, il y a plein de choses. Il y a les crottes de chien par terre, le crachat, les mégots. Et puis bon, après, ça serait pas mal qu'on soit un petit peu plus convivial. Dans le métro, par exemple. Qu'est-ce qu'on n'aime pas de Paris ? Le métro. Ouais. Le métro, ouais. Le métro. Transport. Métro. Des fois, la mentalité des Parisiens. La mentalité et les transports en commun. Ah oui. J'aime pas trop le métro. Moi, c'est... Enfin, perso, j'habite à Stalingrad, dans le 10e. Ouais. Et c'est le fait que tous les jours, je vois des personnes dans la rue. Et à un moment, enfin, je me suis dit, bon, bah, je vais quand même compter combien j'en vois. J'en ai vu 13. 13 personnes qui mendient dans la rue et je trouve ça... Enfin, c'est horrible. Ce que j'aime pas trop, les tags que je vois sur le mur derrière, entre autres, le racisme, la casse, voilà. Les déchets, ça c'est... Et la vie, je veux dire, la rapidité, ouais. L'accélération du temps, voilà, c'est ça. Tout le monde va très vite, voilà, c'est ça. Vous êtes parisien ? Ouais. Et vous êtes pressé ? Et ben on suit le rythme. Il y a beaucoup de monde, il y a la pollution sonore, pollution aussi, la pollution, voilà, les CO2, tout ça, et puis il y a beaucoup de monde et c'est un peu oppressant, des fois c'est stressant. Le monde, les transports en commun, le caractère français très parisien, voilà. Il y a beaucoup de pollution et c'est pas toujours agréable, des fois il fait trop chaud, c'est pas agréable de vivre dans une ville où tout le monde se bouscule, personne fait attention aux autres. Les Parisiens, peut-être. L'attitude des Parisiens vis-à-vis des étrangers qui parlent pas français. Voilà. L'incivilité. Le stress, la densité, le fait qu'il y a trop de monde dans un seul endroit et que du coup ça génère parfois pas mal d'agressivité de la part des gens. La pollution et les travaux partout. Il y a beaucoup de circulation, de pollution, et les routes sont des fois très, très blindées, enfin, avec beaucoup de monde. C'est assez pollué aussi. La pollution, le bruit, la pollution lumineuse de la nuit. Bon, moi je trouve que le gros point négatif c'est la propreté. Si on va dans certaines villes d'Europe et tout, tous les trottoirs sont nickel et tout ça, alors qu'à Paris, c'est vraiment très sale quand même, je trouve. Voilà, c'était notre épisode d'Easy French dans les rues de Paris, où nous avons demandé aux Parisiens ce qu'ils aimaient et ce qu'ils n'aimaient pas de Paris. On espère que ça vous a plu. Vous pouvez vous aussi maintenant devenir des membres d'Easy French sur Patreon, où vous aurez accès à un contenu. Traduction, transcription et vocabulaire. Vous aussi à présent, écrivez-nous dans les commentaires ce que vous aimez de Paris et ce que vous aimez un peu moins de Paris si vous avez déjà visité Paris. En tout cas, on espère que ça vous aura donné envie de visiter cette belle ville qui est Paris. À bientôt. À bientôt.